Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Open Series 4. J'ai un peu fouillé le type de succès qu'on pourrait faire et j'ai trouvé entre autres la tactique de la basse-cour qui consiste à avoir un fort et un dépôt dans une province montagneuse produisant du bétail. Donc j'ai un peu regardé si j'avais des provinces montagneuses avec le terrain. J'ai vu qu'il y en avait tout le long des Alpes, ce qui paraît plutôt logique. Et si on combine avec le bétail, j'en ai deux ici, dont une qui n'est pas encore légitimée, donc je ne l'ai pas fait. Je ne savais pas du tout ce que c'était un dépôt. Parce que dans le succès, il y a marqué un dépôt. Et en regardant le succès en anglais, il se pourrait que la traduction exacte soit un entrepôt. Bon, alors je viens de relancer mon jeu. J'ai pu observer qu'on avait 1700 de devs. Et ça a rafraîchi toutes les IA qui se disent que peut-être. Ou alors c'est parce que j'ai fini la guerre. Mais je pense que c'est lié au fait que j'ai relancé le jeu. Les IA se disent peut-être que ça vaut pas la peine de faire ce que je suis en train de faire. Et je vois que les Ottomans. Vont sûrement perdre leur province criméenne de Azov et peut-être même d'autres. Oh, le Palatinat a été élu. D'accord. On a plein de provinces à convertir, nous. Donc on va piquer le titre pour aller un peu plus vite. Ouais, passez chez moi si vous le souhaitez. Étalons la collecte. C'est quasiment toujours. Enfin, à ce que j'ai. À chaque fois que je regardais, c'était plus rentable. Ah, on dirait que l'Autriche. L'Autriche gagne. À mon avis, c'est l'attaquante. Défenseur face à Bohème dans la reconquête. Ah non, c'est moi qui ai lâché la Bohème. Je me souviens maintenant. Parce qu'ils n'en faisaient qu'à leur tête. Ils m'ont rien donné sur la Hongrie. Ça leur apprendra. Ils ont bien pris une série de provinces, c'est pas moi qui rêvais. Dans la paix, ils avaient bien pris des tonnes de machins. Sans tenir compte de mes revendications. Sur l'Autriche, j'ai pris ce que je voulais. D'ailleurs, on va recommencer les revendications sur l'Autriche. Alors ici, j'en ai moins à faire. On va revendiquer dans l'ordre de plus développer. Ah, il y a eu je sais pas quoi sur Tafilet. Ah, Tafilet a gagné des territoires sur Tunis. D'ailleurs, moi, il faudrait que je fasse des revendications sur Tunis plutôt que d'améliorer mes relations avec la Castille plutôt. On a fini d'améliorer nos relations. On a fini ça aussi. Zara, commençons par les provinces les plus faciles à convertir. Celles-là, elles sont un peu isolées dans mon territoire, dans une tâche catholique, donc on va les achever. J'ai trop de monde là-bas, j'ai pas fait gaffe. Alors, on a des séparatistes là-bas. Faisons ça Spalto. Faudrait un soldat là-bas. Pourquoi ils se révoltent là-bas? Parce qu'ils sont encore réformés. J'ai pas fait le succès, donc j'imagine que je me suis trompé. C'est pas un dépôt, mais je sais absolument pas ce que ça peut être. Ou alors peut-être qu'il faut que ce soit un dépôt de niveau 2. Il s'appelle Stock Exchange. Dans le truc en anglais, c'est marqué Supply Depot in a mountainous province producing livestock. Comment ça, livestock? Bon, attendez, je vais checker ça. Si, si, c'est bien du bétail, c'est juste moi qui n'ai pas trouvé du coup. Le bâtiment devrait s'appeler Supply Depot. Et ça a été fait par 2,9% des joueurs. Donc c'est tout à fait faisable.
Le truc, c'est que ça n'existe pas dans la liste des bâtiments. Et le seul qui contient dépôt, c'est le bâtiment que j'ai construit, le Trade Depot. Si ça se trouve, c'est une manufacture. Sauf que comme la liste des manufactures est immense, il ne l'a pas indiqué. Donc on va détruire l'église pour gagner une place de bâtiment. Domaine foncier. Peut-être ça? Ah, on l'a déjà fait? Ah, mais j'ai pas de fort! Faut un fort aussi. Je sais pas quel niveau de fort il faut. On va en faire un simple. Ah, ouais, c'est pour ça que je voulais le faire dans la province à côté. Bon, peut-être qu'on va s'en sortir. On va augmenter la puissance des missionnaires. Pour booster un peu mes compétences. J'ai des provinces à créer, moi, genre le Languedoc. La Bulgarie. Ça aussi, c'est un état que je vais probablement utiliser. Ah, là, j'hésite, je sais pas s'il rapporte suffisamment. Il rapporte beaucoup de l'autre côté du fleuve. On va le créer pour l'instant, tant qu'on peut. Pour l'Italie, on va essayer de prendre les dernières provinces, mais je suis pas certain que ça fasse effet. Truc de gouvernance. Oula, ça se joue à 5 près. Je pourrais faire les canaux à partir de maintenant. Qu'on est sûr d'avoir les sous qu'il faut. Et les provinces qu'il faut, évidemment. Bon, les rebelles, il faut parler d'eux, mais c'est tout. Carassi. J'y suis. Pologne est en guerre face à la Hongrie. Peut-être que c'est une reconquête. Attaquant face à Hongrie dans la reconquête polonaise de Lublin. C'est bien ça. Fais-moi gagner un point de stab. Je dis pas non. Oh, la Bohème est petite maintenant. Oh, elle s'est fait dévorer par l'Autriche. Oh mon dieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 provinces. Ils ont encore 20 000 hommes. Ils sont impressionnants, la Bohème. On les mange, ils restent gros. On a été découvert, ça rien d'insister. Faire des petites revendications par-ci par-là. Ah, je peux pas faire plus. Ok, de ce côté-là, on va finir de revendiquer la Tunisie. Et si j'ai d'autres provinces, peut-être Métilla. Comment il prononce ça? Mitija. Un peu comme mitigé, mais en mitija. Je retiens. Je suis désolé si vous habitez à Mitija, que vous regardez cette vidéo et que je prononce mal. Oh, l'Ottoman n'est plus un rival valable. Pourquoi? Parce que je suis trop gros. Je vois que ça. Je crois que j'étais en train de guetter la fin de la traite avec quelqu'un, moi. Peut-être les Ottomans d'ailleurs. Tant qu'ils sont pas alliés à plein de gens, ce serait la bonne occasion. Ah, trêve rompue, mince. Je suis encore en traite avec eux, mais j'ai pas vu. 80. Qui d'autre? Ah, ça peut être la France. 80 aussi. Il me faudra une carte des gens qui sont pas en. En trêve avec moi. Je pourrais attaquer la Bohème, mais elle a un peu beaucoup d'alliés. Alors Genève, il y aurait Palatina, il y aurait pas mal de monde. C'est Milan probablement que je voulais. Il y aurait du monde. Mais ça représente combien au total d'armées? 40 000. Oh, c'est pas tant que ça. Il y aurait Genève, entre autres. Palatine a encore été élu. Fort avance doucement. Ils se présentent quoi géographiquement les alliés?
Oh, quelques petits bonhommes par là. C'est surtout qu'il y aura le Palatinat et Trèves et Brandebourg et Saxe. Bon, Brandebourg, c'est plus une grande menace. Désolé pour lui, mais c'est la triste vérité. Oh, on arrive au bout. Toc. Voilà, il ne restera plus qu'à réformer à Montpellier. Je sais pas pourquoi je peux pas les. Ah, bonjour vous. Hop, ça c'est fait. On peut remonter l'armée. Alors, on a une mine d'or qui rapporte 7 ducats de ce côté-là. Comment c'est possible ça? Elle est développée à 9, c'est-à-dire à 4. C'est quoi la chance de l'effondrement? 0,07 que la mine d'or soit épuisée. Alors, en comparaison avec ma mine d'or qui est Zeta, non, qui est là, Kosovo. La mienne, elle a une chance de s'effondrer de 0,4. Donc c'est pas tout à fait deux fois moins, elle me rapporte tellement moins, elle me rapporte 2, alors que la mine d'or là, elle rapporte 6,50. Elle rapporte 3 fois plus. C'est pas la bonne province, je voulais développer la mine d'or. Ouais, ça monte très vite en fait. Bon là par contre j'ai 12% que ça s'effondre. On va gagner un prestige et perdre en dévotion. Ah, je me suis fait attraper sur la... l'Autriche. On va demander l'Autriche je pense, prochainement. Après avoir demandé l'Autriche inférieure. Intérieure, pas inférieure. Si jamais elle est aussi inférieure en revenu. Les Portugais n'arriveront jamais à convaincre cette province de rester... de passer catholique, je comprends pas trop. Ils ont converti le reste, mais celle-là, bien résistante. La Castille, ils ont fait pareil, ils ont tout converti sauf une. Peut-être qu'ils avaient un événement spécial et que maintenant ils l'ont plus. On va recommencer les revendications sur la France. Les revendications sur qui? Sur l'Ottoman. Hop, voilà, on sera plutôt bien. Et j'aimerais déclarer la guerre à Milan. Pour les deux dernières provinces, il va y avoir du monde. On va demander l'aide de la Bohème et de l'Espagne. Bon, en vrai, j'ai pas besoin. Demandons la Bohème, histoire de... Qu'est-ce qui se passe niveau Hongrie? Ah, la Pologne est venue avec la Russie. C'est pour ça que la Hongrie se fait éclater sans trop de difficultés. Alors, moi, j'ai une première cible. Toi, tu vas aller où? Hop. C'est l'empereur, ça? Non, c'est pas l'empereur. L'empereur, il est là-bas. Allons-y, c'est parti. Ouais, je sais que vous voulez bien venir m'aider. Mais je n'ai pas besoin de votre aide pour l'instant. Merci de la proposition. Alors, on a un peu plus de monde là. Allons à Liège. Séparatiste de 3 ligues, ben... Oh, vous allez faire demi-tour à l'instant. Oh, il est bien ce général. 4-4-5-1 et il a que 2 étoiles. Soit, si vous le dites. Ah, ils vont s'amuser sur la Bohème pendant que je suis pas là. Ah, il y a eu un truc, prendre le tennis et tout. Ah, la Valachie a été libérée. Elle est déjà alliée au Brandebourg. Pas duré longtemps. Bon, j'irai probablement manger la Valachie. Surtout s'ils sont allés juste au Brandebourg, je peux libérer une armée. Et aller leur régler leur compte pendant que je suis en guerre contre le Brandebourg. Désolé pour eux. Ils sont sûrement plus contents d'être dans mon pays que dans le leur. Hein? C'est courant ça, les pays qui sont plus contents d'être chez moi que chez eux.
plutôt que indépendant. On va rencontrer des gens. J'ai un général génial, mais j'ai pas 80 000 hommes là-haut. On se replie. On va les sortir un par un. C'est une technique qui marche rudement bien. Toi, on va pas te sortir quoi? Je passais par un pays où j'avais plus les droits. Province catholique Gente, c'est parti. France a pris le défenseur de la foi réformé. Très bien, peut-être que vous viendrez dans une guerre. Parce que je vous y aurais invité, qui sait. Alors, fin du siège de l'empereur. Siège en trêve. Je peux pas passer. Bon, il est pas top en siège. On va aller à Nuremberg. J'ai fait le siège, non? Non, j'ai pas fait le siège. Quelqu'un pour Nuremberg? Ils peuvent. Ah, ils sont un peu coincés les autres. Je pense que c'est parce qu'ils ont pop sur cette province en fait. Ils étaient en drapeau noir et je les ai fait revenir sur cette province. C'est ça Mulhouse? Non, je sais pas où c'est Mulhouse. Moi je dis on les laisse faire le siège, pendant ce temps on fait le siège de la capitale. Et après on arrive. Nuremberg est tombé. C'est le moment d'aller libérer notre allié qui est très occupé. Enfin, pas tant que ça mais quand même pas mal. 4-6-2 et 4-6-2-1 et il est 3 étoiles. Je pense qu'à partir du moment où on a 6, on est 3 étoiles et sinon on est 2 étoiles ou moins. C'est comme ça que ça fonctionne. Nuremberg, t'es complètement siégé. Est-ce que t'as encore des troupes dans la guerre, je pense. Donc on va te faire sortir. Plusieurs armées de ce côté-là. Là, j'ai 3 étoiles, ça aide beaucoup. Allez, 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 allez. On a perdu. J'ai fini un siège. Ici, ici. Ok, on va ramener 2 armées de plus. Et on va demander à Liège de nous quitter. Voilà, au revoir Liège. On va envoyer son commandant. Hop, siège pris. Oh là, ça pique ça. Alors il me donnerait tout. J'ai outrepassé mes capacités de gouvernance. Donc du coup, maudit de coup de la stabilité plus 1, coup des conseillers, blabla. Ok, alors la bonne nouvelle, c'est que je dois pouvoir les monter comme ça. Hop. Donc on dépasse plus. Ouais, mais c'est juste. Coup des conseillers, ça me fait pas très peur. Maudit de la stabilité, pas vraiment non plus. Alors, on les a libérés. Mais où est Mulhouse? Parce qu'apparemment, je les occupe. Ah, c'est une toute petite ville ici. Ah, il devrait se convertir à la foi catholique. On va accepter. Leur offre de paix contre conversion. Je sais pas si je fais bien, parce que si jamais j'arrive jusqu'à eux, je pourrais moins facilement prendre leur territoire. Strasbourg. Vous sortez aussi, merci. Ensuite. Je pense que Trèves veut bien sortir. Abandonnez juste vos relations avec l'empereur. Bon, et si vous voulez me donner des sous, on va pas dire non. C'est fait.
Je pourrais demander à l'empereur de se rétracter sur la Reichsreform. Du coup, on a bien réduit le nombre d'envahisseurs par ici. La Saxe voudrait se rendre. On va faire la paix nous-mêmes. Enfin, deux provinces, la Saxe. Oh, c'est pas très bon ça. Ça veut dire que, imaginons que je fasse ça. Elle va vous céder à mon allié, puis voilà. Pas une province à eux? Non, pas du tout. Mais bon, c'est cadeau. Francfort. J'impose la religion un peu au pif. Normalement, ils devraient moins me détester si ils sont catholiques en revanche. Ça, c'est un avantage que j'avais pas saisi au premier coup d'œil, mais qui reste notable. Il faut une armée pour là-bas. Et après, on va rester garder une armée là, par exemple. Pour commencer à dessiéger tranquillement. Eux, ils sont pas ennemis. En revanche, il y a des gens qui sont ennemis là-haut. Rangbourg ne veut pas se rendre. D'accord, le Palatinat il veut pas se rendre à 100%. Ça paraît plutôt logique. Pour l'instant, en tout cas, après il aura plus le choix. Oups, j'ai une armée qui stagne par là. Fin du siège de Berlin. Oh mince, fallait encore que je fasse mon barrage d'artillerie. Je sais toujours pas comment faire un barrage d'artillerie. Peut-être que c'est une compétence spéciale lors des sièges, je sais pas trop. Interface de siège. Allô. C'est un truc qui coûte des points, me semble-t-il. Alors le Brandebourg, s'il est toujours pas convaincu de se rendre, on peut aussi le siéger complètement. Non, c'est les séparatistes, voilà qu'on a pris une province. Ouais, ils sont en rejet mes bateaux, je pensais qu'ils étaient au milieu de l'océan. Apparemment non. Non, c'est trop ça. On va aller là-bas. Espoir de faire un barrage d'artillerie un jour. On va passer l'offre, c'est pas trop. Ah, Bohème le refuse si je n'aime ça. Ouais. D'accord. Si Bohème refuse, on va pas demander pour un, on va juste demander ça. Hop. Il pourrait rendre Leipzig à la Saxe, mais c'est un pays que j'ai justement affronté. Au revoir, messieurs les bourgeois. On est 4, 5 dans la guerre. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien, j'ai bien compté. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça. Donc, une petite armée par là. Une petite armée par là. Le reste, c'est en train de se faire. Ils sont alliés à l'Espagne. Ils seraient partants pour être alliés avec moi. Ça m'intéresse plutôt. Ils sont catholiques. Est-ce que je peux faire au moins une revendication sur les Ottomans? Oui. Une revendication qui vaut beaucoup de scores de guerre. La Tunisie, on va faire tout ce qu'on peut. La France, on va faire d'abord les plus gros.
Dommage qu'on puisse pas lui dire en mode automatique, fais des revendications d'abord sur les provinces les plus importantes et après sur les moins importantes jusqu'à ce que j'ai plus les points qu'il faut. Bon, la Provence, c'est à peu près la Lorraine par ici et Bretonne me fait rire. Bon, moi la Provence c'est par là. On va perdre du prestige pour le garder. Bonjour vous, vous êtes Genève. Je sais que Van Genève est revendiqué en tant que ville libre dans l'Empire, mais je n'en ai rien à faire. Et si je décide de vous annexer, comme ça par exemple, vous allez dire oui, je veux. Par contre, il y aurait les Ottomans, la Hongrie. On s'en fiche, on va dire. Ah, par contre, il représente 20 scores de guerre. Me dites pas que je peux plus prendre les deux provinces. 32. Faut que j'attende d'avoir revendiqué la première vague de provinces, sinon ça va me coûter trop cher. Bon, j'ai le temps de prendre le siège du Brandebourg. Par contre, je vois que. Bon, ça peu m'importe, on va dire. Ouais, il y a des gens qui ont refait le siège derrière moi. Ce qui ne me convient pas du tout. Parce qu'ils étaient encore assez nombreux. Si on les croise, on les tue. Je sais pas où ils ont pu passer. 'Fin de la trêve avec la France, les Ottomans et tout ça. Je pense que. Oups, bon, d'accord. Je pense que directement après avoir fait la paix avec Milan, on ira s'attaquer à la France. Mais d'abord, on va terminer notre guerre quand même. Je les ai pas croisés, les petits gens de l'Empire. C'est quoi ça? Particulariste Trévois. Bon, les clercs gagnent l'influence. On va pas les aider. Sauf s'ils sont catholiques. Bon, ils sont catholiques, on va les aider. Un micro coup de main, ça fait pas de mal. Ça va, j'ai payé 4000 hommes. Donc le Palatinat, on s'était mal compris la première fois. On s'est toujours pas bien compris, d'accord. Il y a des gens là-haut. On va dire coucou. Alors ouais. Toi tu vas là. Toi tu vas chercher les autres qui sont par là-bas, je pense. Il file plus vite que moi. C'est de déduire à peu près là où ils vont aller. Ah, j'en ai chopé un. Hop, on va aller en bourgeois. Ah, il y en avait deux. D'accord. Oh, par contre là, vous passez à peu près d'une autre armée à moi. Voyez-vous. Hop, plus de Hambourgeois. Peut-être qu'on peut leur demander de sortir et que comme ça les autres seront complètement vaincus. Je peux leur demander de sortir, demandons-leur. Voilà. Et là, je pense qu'on a 100 scores de guerre parce que complètement vaincu. Brême, je vous demande rien de bien important. Je vais lâcher toutes vos alliances. Ensuite, le Palatinat. Je vais vous demander de révoquer la réforme. Voilà. Et Milan, il faut que j'attende encore un peu pour pas avoir trop de surexpansion. Ça va arriver. Ah, parfait. Et c'est fait. Et j'ai fini la mission. Recouvrez Ferrare. Seulement, en fait. On convertira après. Dangereusement. Non, dangereusement c'est plus de 100%. Sinon c'est pas un danger. Pas entendu parler de succès moi. En effet. Bon bah je sais pas ce que c'est. On va le monter de niveau au cas où ce soit juste ça, mais j'y crois pas vraiment. Je peux essayer de faire toutes les combinaisons de bâtiments possibles hein, et voir ce que ça donne. C'est pas un des nouveaux bâtiments, le fort par hasard?
garnison. Le truc, c'est que... Non, ça peut pas être... Sur une province qui a du bétail... Je peux seulement faire une garnison. Je sais pas. Oh, cet argent-là quoi? Vite, déclarons la guerre à la France. Avec l'aide de la Grande-Bretagne et de l'Espagne, ce sera pas mal. Dans l'objectif de prendre le... Comment ça s'appelle là? Lyonnais. Écosse, Bourgogne, Provence, Frise orientale et Brabant. Ok. C'est pas un souci. Moi je dis les doigts dans le nid. Faut que je rappelle mes troupes quand même. Et que j'en amène d'autres. Pourquoi pas? Là il y aura peut-être une révolte. C'est pas trop un souci. Vous êtes en train de bouger. Toi tu bouges. À la limite, vu les réserves que j'ai. Voilà, on va rajouter 60 000 hommes. Histoire que ça pèse bien du bon côté. J'ai oublié de faire mes dernières revendications sur la France avant de déclarer la guerre. Ça, c'est une bêtise. Il me reste plus que, malheureusement plus que des provinces espagnoles pour avoir tous les terrains de l'Italie. Et je ne sais pas si ça me suffira tout de même. Passer par là, à mon avis. Moins de chances qu'on soit bloqué. Et on est bloqué quand même. Ok. Comment ça va? Toi, tu peux avancer? Ah, là, on peut avancer logiquement. Lui, il peut pas bouger parce qu'il y a Auxerrois. D'accord. Alors, l'Espagne m'aide. Tout en occupant les provinces qu'ils jugent intéressantes pour eux. J'espère que ça concerne pas trop de provinces qui m'intéressent aussi. Et si je fais la guerre, c'est peut-être pour mes vassaux, mais c'est avant tout pour moi. On peut retourner là-haut? Non, on peut pas. Plus les accès comme il faut. Ah, c'est bon, ils occupent pour moi là. Oh, il y a beaucoup trop de monde là. On traverse, bon alors on y va tous. Avec un commandant, si possible. On va prendre un nouveau, c'est pas grave. Voilà, on va se rejoindre. Non, l'Espagne a l'air de vouloir faire des combats. Ok, on arrive. Laissez-nous un instant, s'il vous plaît. Il manque des paquets d'hommes, moi. Ah, du coup, j'ai chopé un groupe sur le chemin. Moi, je les ai écrasés, mais eux se sont fait battre. Allez, vite, vite, vite. Ah, trop tard. Ok, on se replie. On va faire des groupes de 60 000 hommes. Voilà, on peut se rassembler en tant que groupe de 60 000 hommes. Là, la France aura beau revenir, ils feront pas le poids. Puisqu'on est 104 000. Fin du siège de Franche-Comté. Ok, on va sur Paris. Et sur Poitou. Et toi, tu viens plutôt de ce côté-là. Hop, vas-y, viens là. Ah. Ils se sont rendus. Alors, qui c'est qui est diablement doué pour l'effort? C'est lui. On va laisser passer devant.
Fin du siège de Haut-Poitou, et bah c'est fait. On va prendre Anjou alors. Fin du siège du Dijonnais. Fin du siège d'Anjou. Donc comme des mouches les sièges. Fin du siège de Paris, on enchaîne. On va les prendre et toi. On se rassemble de ce côté-là, il y a un peu beaucoup de monde. On envoie du soutien. Un nouveau groupe de 60 000 âmes. Aussi, il y a tous ceux qui vont. Ceux que je pense qu'ils vont. Ouais, c'est ça. Oh, 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 oh. Merci les Espagnols d'être venus nous filer un coup de main. Parce que j'étais pas sûr de notre victoire. Alors, niveau sur expansion, c'est fini en fait. D'accord. Donc la Bourgogne d'abord. Pour elle donner ses provinces suisses. Moi je dis, ça ferait pas de mal. À part à la surexpansion, mais elle est déjà tellement élevée que je me dis que, à un moment, on peut considérer que tous les gens dans l'Empire sont en quoi contre moi, et puis voilà. On a surpassé nos capacités, donc on a coût des légitimisations, impact de l'expansion agressive, amélioration des relations, coût des conseillers, plein de trucs. Bon, on va demander de la puissance à mes états. Voilà. Elle me conseille de faire la Valachie. Faisons la Valachie. J'ai peur de redépasser du coup. Ça se trouve j'ai déjà redépassé. Non, ça va. La Valachie coûte pas trop. L'Autriche, on pourrait continuer les revendications. La Savoie, on a le droit à une seule revendication. 6 ou 8, prenons 8. Si je prends la province de Vado, je les enclaverai. On va y aller avec du lourd. Dans le main, c'est à peu près fini. Recoupons les gros. Ah là, j'ai quand même pris 100 000 hommes de dégâts aux effectifs. C'était du sérieux, les guerres contre les Français. Même si on était clairement plus puissant. Ah, ça fait une belle quoi. Toute l'Allemagne, tout le Saint-Empire. Bon, il n'y a pas la Pologne. Il n'y a pas les Ottomans pour l'instant. Il n'y a pas la Hongrie, mais juste parce qu'elle n'a pas eu l'occasion de venir. J'aurais peut-être dû m'allier au Danemark avant quand même. Ça aurait été une bonne idée à mon avis. Ah, j'ai sorti la machin. Eux, ils ont pris le Finistère. Est-ce qu'ils attendent qu'on leur donne quelque chose? Mais ils le refusent, d'accord. C'est juste qu'ils considèrent que ça me revient pas de droit. Donc je vous ai demandé X fois d'arrêter d'être allié avec la France. Vous semblez ne pas comprendre. Par là, nous. Ah, il fonce. Vite, 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 vite. Tuez-les, 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 tuez-les. Oh. Pris le malus de montagne, du coup, et on est mal. Ok, c'est pas grave. Je peux envoyer une nouvelle troupe si besoin. Bon, on occupe complètement la France. Alors, même si ils ont peut-être encore une bonne armée, j'imagine qu'ils sentent que c'est le bon moment pour se rendre. Qu'est-ce qu'on a fait? Combattre l'hérésie. Ah bah c'est ça, il fallait que j'ai toutes les provinces de la région Italie. Province est catholique. Et possesseur de la province est catholique. Pouf, c'était bien compliqué ça. Toutes les provinces de la région Italie appartiennent à
Bah, il m'en manque 4, malheureusement. Donc, si je demande à la France ces provinces-là, la question c'est dans quel état ça va être? Donc, Toulousain et Carcassonne, j'aimerais bien prendre. Mais apparemment, c'est pas du bon moment. Ensuite, puisque la Guyane, j'aimerais bien avoir l'Auvergne. Ça, c'est carrément chez moi. Et après, l'Auvergne, ça représente ça. Et si on continue, le pays. Peut prendre tellement. Bon, à condition d'accepter une collection de malades, j'imagine, mais. Alors, le Danemark, ça m'arrangerait pas. Les Ottomans, ça m'arrangerait pas. Mais en même temps, c'est moins 2 et moins 22. Pas tant que ça durerait. Tunis, par contre, de nouveau. Et c'est tout, en fait. Est-ce qu'on brise certaines de leurs relations? N'a pas reçu les provinces légitimées durant le traité. Qu'est-ce qu'ils veulent, l'Angleterre? Ils veulent une province par là? Mais ils réalisent que. Ah, ils veulent Valois. D'accord, si je leur donne Valois, il est content. Car Grande-Bretagne le refuse. Ils sont sérieux, les Bretons? Les Grands-Bretons? N'a pas reçu les provinces légitimées ou à mon avis c'est autre part. Si ça se trouve, c'est dans les colonies ou je ne sais où. Regardons ce que revendique la Grande-Bretagne dans les colonies. Donc ils revendiquent toute cette région-là. Ils ont le Newfoundland. Ils revendiquent cette province-là qui est aux Comanches. D'accord, et on est en guerre face aux Comanches, pas moi. Alors, la Grande-Bretagne, elle est là. Est-ce que c'est. Ah, c'est contre l'Écosse à tous les coups. Ils se sont occupés de siéger l'Écossais. Et là, ils sont contents. D'accord, c'est des fous. C'est des fous. Est-ce qu'on peut pas sortir l'Écosse à ce prix-là? Ou à plus d'ailleurs? Ok, parfait. Et vous oubliez la France. Là, ils veulent plus. Bon, d'accord, vous oubliez pas la France. Voilà, et là, j'ai le droit de prendre ce que je veux. Et quoi? Mais quoi? Mauvais plan. Ah, je m'y attendais pas ça. Mais vous revendiquez plus rien, vous en êtes conscient? Peut-être qu'il faut que j'attende la fin du mois. Bon, est-ce que la. C'est à l'Écosse, ça, on est bien d'accord. Il n'y a rien qui est français dans les colonies. De ce côté-là, il n'y a pas de revendication, à ce que je vois. Ils n'ont pas occupé une seule province de Natal. Et c'est l'Espagne en plus, c'est pas la Grande-Bretagne. Ça se trouve, j'ai mal sélectionné. Non, c'est le bleu, bleu, enfin le vert clair plutôt. On va attendre la fin du mois. 1er mai. 44. Mais qu'est-ce qu'ils veulent, l'Angleterre? Valois, ils refusent. Il refuse. L'Espagne, elle serait bien contente que je lui donne des trucs, mais ce serait du bonus pour elle. Bon, bah, l'Angleterre, je suis désolé, mais il y a un moment, il faut savoir être réaliste. Je peux pas vous donner des trucs que vous refusez. C'est plutôt logique. Oh, j'ai pas regardé la surexpansion. Est-ce que ça va piquer à mort? Ouais, ça pique à mort. Il faut que je libère un petit état, un petit vassal. Il y a rien du tout. Si, il y a la Gascogne. De province Gascogne. Commençons par libérer la Gascogne. Celle-là plutôt. Hop. Voilà. On n'est plus qu'à 128. Est-ce qu'on peut leur donner une province qui pèse lourd? 13, 13. J'ai peur de pas pouvoir revendiquer si je leur donne autre chose que la l'Auvergne.
Vendre une province, Auvergne, je vous la vends pour gratuit si vous voulez. Comment ça encore 128? C'est une province que j'avais pas légitimée. 119. Ça, j'ai pas légitimé non plus. On va aller légitimer tout là-haut. Parti. Légitimer. Oh, j'ai pu les prendre. Faites ce que vous voulez. C'est une province que j'ai pas légitime. Si, c'est une province que j'ai légitimée. Est-ce qu'on tolère? Ça va durer longtemps, malheureusement. On va annuler le Berry de mon côté et leur vendre le Berry. Voilà, est-ce que c'est mieux? Non, toujours pas. Ça avance, c'est bien. 15, 23. Mince, cette séparatiste Valak. Allons nous en charger avec beaucoup de monde. J'aurais dû prendre plein de territoires gascons. Ah, ils ont tout ça. Bon, à la prochaine guerre, on leur donnera plein de trucs. Voilà, vendre une province. Le truc, c'est que ça me fait perdre du prestige, je crois. Ouais, c'est ça, ça fait perdre 10 de prestige à chaque fois. Mais c'est bon, on est bon. On est dans les clous. Le Danemark, ça vous tente une alliance plus. Ça m'embête. Plutôt qu'ils peuvent rejoindre la Koa, ils en sont en capacité. Je peux revendiquer toutes les provinces qui sont à côté de mon vassal. Ouais. Ça c'est chouette. Bon, j'ai un peu trop demandé. Si j'avais pas demandé les provinces suisses, j'aurais pu demander plus sur la France, mais bon. Il va être temps de s'arrêter, je pense. Tout à fait. On se retrouve à un prochain épisode pour la suite.